Bien, bonjour à tous, c'est Thierry en direct live de la Trading Room. Allez, on va essayer de voir si on peut prendre un trade en live sur le crude. Alors, je vais mettre ça ici. Hop, on va bouger ça un peu. Voilà. Donc, pour l'instant, sur le crude, bon, vous voyez, pas grand-chose, 140 dollars de gain. Alors, on va voir s'il y a une opportunité. Hein, ça vient d'ouvrir, ça fait à peine 10 minutes. Ça bouge pas trop pour l'instant. Y a le stock de pétrole à 16h30, donc c'est possible que ça ne bouge pas. On va voir si une opportunité, on prendra un trade. Sinon, bah tant pis. Hein. Je vais bouger ça ici plutôt. Voilà, comme ça ne me gênera pas. Allez, on va voir ce que ça va donner. Ça bouge pas trop, mais par contre, pour le nom, tu pourrais faire des trucs à 2-3 types. Facile, il bouge tellement. Sur le gold, ouais, c'est clair. Non, sur le DOM, du coup, là, le coup ne bouge pas trop sur les prix, mais dans le DOM de l'extrader, hein, tu pourrais faire des petits trades de 2-3 types, hein, qui ne bougent pas Ah trop. oui, c'est clair. Allez, on va voir. Ah ouais, par contre, le problème, Faudrait que tu me avec fasses. action, là, on ne peut pas mettre sur pause. Eh non. Ah putain, c'est la merde, Non. ce truc-là. Si, tu l'arrêtes et puis tu reprends. Ouais, mais ça fait plusieurs vidéos. Après, pour les mettre tout ensemble, moi je passe par Windows Movie Maker. Ouais. Ah, c'est chiant, ça. Bon, de toute façon, je vais laisser. De toute façon, je le montrerai après. Donc, je couperai ce qu'il y a à couper. Au pire des cas, avec Camtasia. Avec un peu de chance, ça va peut-être bouger. On va voir. Acheter 54, sortir à 58, pourquoi pas? Je sais pas, je te laisse faire. Je sais pas si tu parles à toi tout seul ou si tu nous parles, mais si tu nous parles. Alors oui, par contre, bon, je suis en train de tester ce dôme-là. Et je pense que c'est celui que je vais prendre à partir de la semaine prochaine en réel avec mon petit compte AMP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dôme de Xtrader. C'est l'inventeur du dôme vertical. Donc ce sont les inventeurs, pardon, du dôme vertical. Donc voilà, c'est au niveau trading exécution, c'est la meilleure plateforme au monde. Voilà. Donc bon, après, il y a des manques, il y a des plus sur d'autres places, sur d'autres dômes, hein, comme partout. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais au niveau exécution et tout, c'est vrai que c'est un truc de folie, quoi. Et c'est bien là le principal. Alors, j'aurais bien voulu placer un ordre. Je vais quand même placer un ordre stop si je veux descendre. 96,44. Allez, s'il pousse la Bollinger, il pourrait peut-être descendre. Je vais le mettre à 43. 96,43, je vais mettre un ordre stop. Ici, 96,43. Là. Voilà. Donc j'ai placé un ordre ici. Attention, ben voilà, ça y est, j'ai été pris. Alors, voilà, ça a été rapide. Ben alors, du coup, là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, vous voyez mon ordre qui est ici, là, en grisé. Là, c'est ici. Donc, pour l'instant, je suis en perte de 2 de 1. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai. Combien je suis rentré, moi? 40. Pourquoi je suis rentré à 40, moi? Comment ça se fait, ça? Alors, par contre, j'ai pas tout compris. Là, j'ai mieux. Non, c'est pas possible. Pourquoi j'ai été pris à 40, disons? À combien je l'avais mis? Je l'avais mis à. À 45, ouais, c'est bizarre ça. Donc là, j'avoue que j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Et du coup, regarde ça, j'étais à 100, à 100, 120 là-dessus, 140. Regarde là, comment je suis maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Voilà, et maintenant il est remonté, j'hallucine quoi. Là par contre, j'ai pas compris comment j'étais exécuté. Ah bah si, 43, j'avais dû le mettre à. Bah si, j'avais mis à 40, alors c'est ma faute. Alors, ok, d'accord. Bah, il m'a touché, il est remonté quoi. Ok. Il s'est dit, tiens, Thierry, il est rentré, allez, on va le squeezer, on le touche et on se casse. Eh ben, comme ça. Voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va redescendre, Coco, parce que sinon, on va pas être copains. Là. Et quart, un quart d'heure c'est ouvert. Bon, alors je vous dis de suite, si je perds le trade, vous verrez jamais la vidéo. Ah, évidemment, désolé. Ah, bah, il y aura tout sur la vidéo ce coup-ci. Allô? Ouais? Ouais, tu prends direction Montauban Sud, donc c'est direction comment Toulouse. Voilà, direction de Toulouse et vous sortez à Sapiac. À Sapiac. Voilà, c'est bon, c'est tout. OK? Bisous, à tout à l'heure. Bon, bah, j'espère que je vais perdre le trade, comme ça la vidéo, je la montrerai pas. Le téléphone et tout, c'est la fête, quoi. Bon, il est redescendu, il m'a donné l'opportunité de sortir, je ne l'ai pas prise. Est-ce que je vais le payer? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi je ne veux pas monter là? Il ne faut pas bouger les prix sur la bougie. Bon, allez, on va se préparer à sortir au cas où, ça déclenche d'un coup quand même. T'es pas en position, Jean-Marc? Non. Je sais pas ce qu'il va faire. Là. Je suis à zéro, ça y est revenu. Quand je parlais tout à l'heure, tu m'as dit que tu m'entendais pas. 35, 36, allez. Allez, il faut pousser là. Si on pousse, ça peut être bon. Plus 2 là. Bon, allez, allez, voilà. J'insiste pas, c'est bon, je suis sorti. Voilà, j'étais à combien? 140, donc j'ai pris 50.
Voilà, je suis à 190 maintenant. Voilà, donc ça suffit. C'est pas mal, même si je pense que ça peut descendre. On va voir si le snake a l'air. Ouais, mais il s'est écarté un peu quand même. Hein. Ok, bon voilà, bah, petit trade, vous avez eu droit à tout. Eh ben regarde-le. Eh ben voilà, ça y est, il est parti. Là, j'aurais dû rester. Hein. Ah ouais, j'aurais dû rester. Bah, je vais pas le reprendre maintenant, c'est trop tard. Tant pis pour moi. C'est pas grave. Voilà. Bah, comme ça, vous avez le droit à tout. Le téléphone et tout ce qu'il faut. Allez, à plus. Ciao.